Nous attendons bien sûr qui mérite d'être débattu longuement, même si on n'aura pas le temps de faire un séminaire, au moins nous, en sachant que l'ex-président n'aura pas le temps d'être parmi nous pour des raisons de l'homme, on a pensé soumettre le sujet. L'ensemble des règles de courtoisie et de bienséance en usage dans notre société centrafricaine voudrait que le petit frère respecte le grand frère. En un mot, je dirais à mon aîné, mon désir, qu'il se désagrégerait si tout de suite, parce que l'aîné Douzima est arrivé et voudra lui donner la parole. Reportons-nous. Tout à l'heure, vous aviez demandé à ceux qui sont là de procéder à un vote selon qu'ils sont. Et bon, pas. Tout à l'heure, vous avez posé une question à la limite pertinente. Et moi, j'ai des éléments de réponse à quelque chose que j'ai eu quelqu'un tout à l'heure dire. Je me suis abstenu. Pourquoi? Pour la simple raison que je n'étais pas pour, j'étais contre. Voyez, il y a deux camps là. Il y a deux camps. Continuez de voir dans cette même droite ligne. Si vous faites tout de suite, grand frère, un revirement à 90 degrés, vous allez, n'est-ce pas, vous désagréger. Pour plus tard travailler, je pense que ça va intéresser tout le monde. Je peux comprendre pour certains qui ne sont pas pour, par rapport au temps, parce que nous sommes là depuis presque 2 heures et on a avancé un peu tardivement, d'autres ont quelque chose à faire, mais je pense que moi je suis pour et c'est très intéressant. Restez là. Nous n'allons pas rester là à apprécier le sujet à dire, c'est pour ça. Que pensez-vous du rapport évidemment entre ce que vous faites, ce que vous étudiez aujourd'hui et l'emploi que vous allez obtenir, surtout par rapport à votre pays? Pas ce que vous allez faire à l'étranger, parce que nous qui travaillons à l'étranger ici, chaque fois que nous nous levons et que nous faisons quelque chose de positif, nous poussons le Sénégal à avancer. C'est vrai que pour notre partie, nous avons un salaire. Mais chaque jour, les efforts que nous faisons, c'est pour pousser le Sénégal à aller de l'avant. Et par rapport à notre pays, ce que vous êtes en train d'apprendre aujourd'hui, le rapport qu'il y a entre ce que vous étudiez et votre pays, essayez par exemple de parler de vous. Donc, là, par exemple, je suis ceci, je fais des formations, je pense que de pouvoir revoir le choix de leur formation. Ça vient? Est-ce qu'on peut vous donner ça de alors, je présente en tant que son prénom et son nom. Bonjour. Bonjour. Ouais, je me nomme Jésus DND. Je fais le réseau économique. Entre parenthèses, c'est les mêmes. Pour moi, c'était juste quelques contributions par rapport à ce que le monde peut plus ou moins bien de dire. Premièrement, je vais directement me lancer dans le petit développement que le monde a en place. On peut bien aller par notre feu Ouganda nous a légué beaucoup de choses. Je veux juste parler parmi tant d'autres de notre pauvre lycée parti de Ouganda. Que nous connaissons tous, peut-être parmi nous, il y a des enfants qui sont ici là. Et imaginez que vous, selon la dernière information que j'ai, le lycée Bogala n'a que 2 ou 3 ans, c'est un peu sidéré. C'est pourquoi je dis, j'en ai discuté la dernière fois avec le docteur Douzima. Et je pense que c'est mieux qu'on en parle. Je dis, si par exemple, sur 300 étudiants, parce que vraiment, est-ce que je vais un petit peu voir, si chacun d'entre nous, et que nous tous étudiants, ce passage, ce Sénégal,
nous achetons au minimum 5 à 10 ordinateurs que nous envoyons au pays pour nos cadets qui sont en train de grandir, mais je ne sais pas de quelle base. Parce que c'est grave pour un pays, un grand lycée, c'est le plus grand lycée, qui n'a même pas d'ordinateur. Imaginez-vous les ordres de nos cadets qui sont en train de venir. Je demande un peu de passage. C'est vous qui acceptez la proposition. On commence à y réfléchir. On a été pratique, bien sûr, de la réalisation de cette idée. Vous savez, il est dit, ce que tu fais pour toi, quand tu meurs avec. Mais ce que tu fais pour les autres, quand tu meurs, ça reste là. Parce que les autres, ils seront toujours là. J'exhorte du nom excellent, j'exhorte tout un chacun à y réfléchir. Vous avez beaucoup à dire, et mettons en pratique ce que nous disons.